Madame Arthur, par Yvette Guilbert. Madame Arthur est une femme et qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Chacun voulait être aimé d'elle, chacun la courtisait. Pourquoi? C'est que, sans être vraiment belle, elle avait un je ne sais quoi. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Sa taille était très ordinaire, et ses yeux petits, mais séduisants. Son nez retroussé, sa voix claire, ses pieds charmants et frétillants. Bref, en regardant sa figure, rien ne vous donnait de l'émoi. Mais par derrière, sa tournure promettait un je ne sais quoi. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amour. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Il fallait la voir à la danse, avec son charme sans égal. Par ses mouvements, sa cadence, elle était la reine du bal. Le cavalier, lui faisant face, devenait tout rouge d'émoi. Quand levant sa jupe avec grâce, il voyait son je ne sais quoi. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amour. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Pardon, disait Monsieur Prudhomme, mais de quoi donc vivait cette dame, ayant si grand train de maison, courant de l'opéra au drame, et soupant chaque soir, dit-on. Ah, ce qu'elle était pour toi le terre, habile à payer chaque mois, fournisseur et propriétaire, rien qu'avec son je ne sais quoi. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amour. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps.